Picardie ou dans l'angoissant type de France. Ma Normandie à moi. Je mourrais de ne pas te savoir là. Toi qui m'as vu grandir, me construire et m'épanouir. Ma Normandie à moi. Je te contemple encore aujourd'hui sans y croire et souvent je pense il n'y a pas 6 ou 7 merveilles dans le monde. Il n'y en a qu'une et c'est toi. Ma Normandie à moi. Terre d'histoire et de mémoire. Avec le débarquement, tu deviens le symbole de la liberté, de la fraternité et de l'héroïsme. Et cette fraternité se ressent d'ailleurs toujours aujourd'hui, quand on voit avec quelle ardeur tes canets continuent de supporter tes footballeurs, quand bien même leur équipe est 19e de Ligue 1. Ce qui en soi, mesdames et messieurs, n'est pas très glorieux. Mais positivement, on reste quand même devant Guingamp. Ma Normandie à moi, savais-tu que l'amour n'était pas seulement un sentiment, mais c'était aussi un art? Je ne saurais te dire combien de fois je me suis émue devant les pièces de Monet qui ont révélé au monde tes lumières uniques et qui rendent aussi pâles celles de la ville lumière. Ma Normandie à moi, mère d'un peuple fier et conquérant, le plus connu de tes Normands, Guillaume. Guillaume, cette figure de l'audace, celui qui ose tout, qui réussit tout, et qui aujourd'hui porte encore tes valeurs. Ma Normandie à moi, tes enfants sont dotés d'un savoir-faire étonnant. Je parle de cette capacité à transformer les choses et à inventer de nouveaux usages. Jésus transforme l'eau en vin, le Normand transforme la pomme en cidre et en calvin. La pomme d'ailleurs, parlons-en, celle qui a façonné ton identité et celle que Steve Jobs t'a même volée pour faire le symbole de ta fortune. Ma Normandie à moi, pense à l'audace de tes enfants, eux qui ont eu l'idée de mélanger du sirop de cassis, du vin blanc, du calvados et de la pierre pour donner naissance à l'embuscade. Vous la connaissez tous l'embuscade. Celle qui m'a rendue ivre tant de fois, ivre de joie de vivre bien sûr messieurs dames, et celle qui m'a fait rater beaucoup de cours le vendredi matin aussi. Ma Normandie à moi. J'en perds mes mots. Pense aussi au talent de tes enfants, ceux qui ont fait de toi le berceau de la littérature, de François de Malherbe à Flaubert. Je ne pourrais pas tous les citer, ça durerait bien trop longtemps. Ma Normandie à moi. Tu es l'objet de tant de convoitises. Les Bretons s'obstinent encore à penser que notre Michel est le leur. Mais ils se leurrent. Ma Normandie à moi, tu es forte. Pense à ton pont, ce majestueux trait d'union qui domine la Seine. Ma Normandie à moi, tu es aussi précurseur. Bien avant de voir des gilets jaunes en feu sur les champs, on a pu voir Jeanne d'Arc enflammer la ville de Rouen. Ma Normandie à moi, tu sais te montrer festive. Tes carnavals et tes festivals font de toi le bon vivant de la France. Ma Normandie à moi, comme tout homme, tu as tes défauts. En effet, c'est immiscé au creux de ta pensée l'idée saugrenue d'offrir à tes enfants les tripes, l'andouille et la torgoule. Faut le faire. Mais comment t'en vouloir pour cet obscur petit drame? Aussi, certains pourraient trouver cela cruel que tu nous imposes 365 jours de pluie annuelle. Mais les adeptes du Sea, Sex and Sun ne te méritent certainement pas et n'ont pas à verser de larmes. Ma Normandie, j'aimerais tout simplement que l'on soit ensemble pour toujours, que ça soit ici ou à Cabourg. Je vous remercie. Ma Normandie, tu es pour moi une femme. Je pourrais écrire ton histoire sur plus de 1000 pages, et à ce titre, tu es une femme d'expérience, et je crois que tu me fais quelque effet. Ma Normandie, tu es une femme fatale. Nombre d'hommes sont tombés sous tes coups. Tu te nourris de sang et de larmes. Vikings, hommes à barbe, sont les catégories que tu choisis sur adopteunmec.com ou un autre site. Ma Normandie,
tu es parée de bijoux. La mer, découpant tes bords, te rend si bestiale. Rouen et Caen, ces deux perles, te hissent au rang impérial. Quant au Havre, tatouage caché, intime et indélébile, que tu voudrais effacer, mais qui fait tout ton style. Ma Normandie, tu es possessive. Ma Normandie, tu es protectrice. Jamais un grain du Mont-Saint-Michel ne s'envolera vers Brest, et jamais un grain de sel ne pénétrera notre beurre. Ah, Bretagne dépravée, pourquoi t'en contenterais-tu alors que tu as pu par le passé séduire sa grande sœur, la Grande-Bretagne? Entre la France et l'Angleterre, tu as fait tes choix, et ta puissance ducale te permet les plans à trois. Par tes ports, tu t'affirmes au monde entier, et par tes ports, tu t'affirmes à nos narines et papilles. Mais parlons encore des Normandes. Ces courbes si généreuses, ce teint resplendissant, cette silhouette assurée, la bonne nourriture qu'elle nous donne, et ce caractère si particulier. Combien de fois ont-elles gagné le premier prix au concours du Salon de l'Agriculture? Normandie, tu m'enchantes, Normandie, tu me berces. Lorsque d'un furtif boujou, je me retourne et réponds, allons boire un coup. Lorsque j'entends la vache meugler et la corneille chanter. Lorsqu'après quelques gouttes de calva, je serre tout le monde dans mes bras. Lorsque l'on me propose une centaine de fromages et que je sais qu'il en existe davantage, lorsque nous avions froid et que tu as choisi de brûler Jeanne pour nous sortir de notre trépas, alors je t'aime, ma Normandie. Alors, Normandie, tu es à moi. Parce que t'appartenir me rend si fier, je te parcourrai de Cherbourg à Étretat pour conter ton histoire si exemplaire. Tes plages ont été le plus grand symbole de victoire de l'homme sur les nazis, et je me remémore toujours en foulant ton sol le lieu auquel je dois peut-être la vie. Et même si le soleil a fui pour laisser place à la pluie, qu'importe ma Normandie, si nous sommes tous ici réunis. Merci. Ma Normandie à moi. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque le sujet est tombé. Ma Normandie à moi, référence à ma France à moi du grand oral. Grand oral auquel j'ai postulé et auquel je n'ai pas été pris. Alors, je ne suis pas assez bon pour représenter la France, mais je suis assez bon pour représenter la Normandie. Normand de souche, fils de parents normands, de grands-parents normands. La Normandie, elle coule dans mes veines. Mais la Normandie, qu'est-ce que c'est? La Normandie, c'est 30 000 km². La Normandie, c'est plus de 3 millions d'habitants. La Normandie, c'est plus de 2 800 communes. Et tout cela réparti sur 5 départements. Ma Normandie, elle fut créée par Roland le Viking. C'est pour ça que nous sommes des battants. Ma Normandie à moi, elle a un drapeau avec un lion dessus. Parce que de la France, nous sommes les rois. Ma Normandie à moi, c'est aussi des grandes villes. Le Havre et son quartier Perret, ainsi que son port de Mille. Caen et son château à quelques lieues d'ici, Rouen, sa ville aux 100 clochers. C'est pour cela que nous sommes tous réunis, parce que ma Normandie à moi, elle réunit. Mais ma Normandie à moi, ce n'est pas que des grandes villes, c'est aussi Varan-Quebec au fond de la Manche, plus de vaches que d'habitants, ou bien Fontaine-Bélanger au fond du département de l'Eure. Ma Normandie à moi, elle est hétérogène. Ma Normandie à moi, c'est aussi des monuments. Ma Normandie à moi, c'est une terre de tourisme. Ma Normandie à moi, c'est des falaises, la campagne et la mer.
Ma Normandie à moi, elle accueille les Parisiens tous les week-ends lorsqu'ils veulent venir à Deauville. Ma Normandie à moi, il y a la tour Vauban sur l'île Tatiou. Là où j'ai passé mes vacances, parce que ma Normandie à moi, elle est tellement belle que j'y suis l'année et j'y reste l'été. Ma Normandie à moi, vous y trouverez la tapisserie de Bayeux, retraçant l'épopée de Guillaume le Conquérant. Parce que ma Normandie à moi, elle a conquis l'Angleterre. Ma Normandie à moi, elle a le pont de Normandie, parce que nous sommes de grands architectes. Mais ma Normandie à moi, c'est aussi la baie d'Alençon et le Mont Saint-Michel, n'en déplaise à ces Bretons. Ma Normandie à moi, c'est aussi un cadre littéraire. Vous pourrez trouver les aventures de Boule de Suive de Maupassant ou bien celle de Madame Bovary de Flaubert. Ma Normandie à moi, c'est aussi des artistes. Nous avons créé des artistes. Sherif Alouna, c'est nous. Kinvé, c'est nous. Franck Dubosc, c'est nous. Laetitia Casta, c'est nous. Ma Normandie à moi, elle est belle, mais elle a aussi David Douillet. Ma Normandie à moi, c'est aussi celle de Pierre Corneille et de Claude Monet. Ma Normandie à moi, elle envoyait un homme dans l'espace. Ma Normandie à moi, elle fait des barbecues par tous les temps. Demandez donc à Jeanne d'Arc. Ma Normandie à moi, c'est aussi une culture, la culture de Normandie. Une culture un petit peu meurtrière, car ma Normandie à moi, elle a connu le débarquement. Mais ma Normandie à moi, c'est aussi une terre de fromage. Nous avons le Camembert, le Pont-l'Évêque, Neuchâtel ou le Livaro, ce dernier que je vous déconseille avant un rendez-vous. Ma Normandie à moi, c'est aussi la crème plutôt que l'huile d'olive, cette fameuse crème et les vires qui coulent aussi dans notre sang. Ma Normandie à moi, ce sont de grands alcools, le cidre, le pommeau, et bien évidemment le calva et ce fameux trou normand. Dans ma Normandie à moi, on ne dit pas une poignée de porte, on dit une clanche. Dans ma Normandie à moi, lorsqu'il pleut un petit peu, on dit qu'il crassine. Ma Normandie à moi, elle a connu des hauts et des bas. Ma Normandie à moi, c'est la plus belle des régions. Ma Normandie à moi, c'est aussi ma Normandie à vous. Et c'est pour ça que je l'aime. Merci.